Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Ben bonjour tout le monde, c'est Twizz Money Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous apprendre, dans le fond, la sécurité de Facebook, ces affaires-là. C'est pas mal ça. On va couvrir la vidéo, dans le fond, côté sécurité, authentification en deux facteurs. Comment savoir si quelqu'un d'autre est connecté sur ton compte ou whatever. Toutes ces choses-là. On va tout couvrir ça dans cette vidéo-là. C'est ça. Ben, on va commencer. On va aller dans les paramètres. Vous allez juste ici. Vous allez dans paramètres. Dans le fond, ici, c'est la première page. Je vais voir les informations du compte. Ces choses-là. L'adresse de contact. Le email. Le nom du compte avec, dans le fond, l'ID. Et le nom. Que vous pouvez modifier comme que vous voulez ou whatever. Côté de l'onglet de sécurité et connexion, vous pouvez aller là. Vous allez voir dans le fond les connexions qui ont eu lieu. Dans le fond, ça c'est moi actuellement. PC Montréal, QC Canada. Dans le fond, vous pouvez choisir 3 à 5 amis dans le fond pour pouvoir récupérer votre compte ou whatever. Sinon, vous pouvez changer le mot de passe à partir d'un onglet sécurité. Enregistrer vos identifiants de connexion. Utilisation de l'authentification à deux facteurs. Qu'est-ce que, dans le fond, ça l'utilise? Dans le fond, que ça utilise votre téléphone pour pouvoir vous connecter. À la place d'utiliser, dans le fond, un mot de passe ou whatever, ça va vous envoyer un texto sur votre téléphone pour pouvoir vous connecter. Comme ça, dans le fond, admettons, s'il y a un pirate informatique ou whatever qui essaye d'entrer dans votre compte à partir du mot de passe, ça ne fonctionnera pas. Parce que dans le fond, il n'y aura pas accès à cause que ça envoie une notification à ton téléphone que lui, il n'a pas accès au code. Mais, tandis que, mettons que, oui, il pourrait avoir accès au code s'il serait capable de retracer votre téléphone, mais on s'entend qu'il y a des limites à trouver quelqu'un ces affaires-là. Là. Quelques personnes peuvent le faire, mais pas tant. Vous pouvez mettre aussi les connexions autorisées, dans le fond, là, les appareils que c'est correct, là, qui peuvent se connecter. Vous pouvez changer le mot de passe d'application ou ajouter un mot de passe. Recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Ça, dans le fond, pour l'activer ou désactiver. Dans le fond, ça vous envoie une notification quand quelqu'un se connecte, whatever. Ou quelqu'un que, dans le fond, il n'y a pas rapport ou qui ne connaît pas. Ça pour choisir entre blablabla. L'email de notification chiffre, récupérer le compte externe, voir les emails Facebook récents. Ok, blablabla. Ok. On va couvrir, on commence par couvrir, recevoir les notifications non reconnues. On va modifier. On va faire recevoir. Dans le fond, vous allez recevoir les notifications, ne pas recevoir les notifications, recevoir les notifications, ne pas recevoir les notifications pour Messenger ou les notifications elles-mêmes, recevoir les notifications, ça Messenger, tu es obligé de le mettre, là. Dans le fond, Facebook, c'est en masse, là. Je vais faire recevoir ici, enregistrer. Ça dit activer les alertes de connexion. Nous vous enverrons une notification dès que votre compte Facebook sera ouvert à partir ou d'un nouvel appareil. Dans le fond, si je refresh la page, tu vas voir comme quoi qu'il y a une alerte de connexion. En tout cas, il est supposé. Bref.
pouvez voir tous les appareils ici, les déconnecter aussi comme que vous voulez. Se déconnecter de tous les appareils ou whatever. Ça, c'est dans le fond, c'est les appareils connectés. Vous pouvez aussi avoir les informations comme l'adresse IP de la personne qui est connectée sur votre compte. Vous pouvez aussi cliquer sur l'appareil, whatever, pour avoir plus d'informations. Une fois là, l'adresse IP que moi j'ai, c'est 51.79.52.132. C'est pas mal ça. Ça dit Montréal, qui c'est Canada, que la position que je suis. Sinon, tu peux aussi accéder à l'adresse MAC si tu fais plus d'informations, whatever. Mais bref, on va pas couvrir ça tout de suite. Vous pouvez enregistrer vos identifiants de connexion comme ça. Vous n'êtes pas obligé de remettre votre mot de passe, tout ça. Utiliser l'authentification des facteurs, dans le fond, vous pouvez l'activer si vous voulez. Vous faites modifier. Aidez-nous à protéger votre compte. Oui, blablabla. Utilisez texto SMS. Dans le fond, vous entrez votre numéro de téléphone. Moi, j'ai utilisé un numéro de téléphone d'une personne qui a accepté pour le tuto. Moi, dans le fond, toutes les informations personnelles sur cette vidéo-là, ils vont être toutes bloquées. Je vais mettre des trucs pour pas qu'on les voit. On va juste voir dans le fond les différentes options. Comme que j'ai mentionné. Ça sera pas bien, non? Une fois que vous avez cet écran-là, dans le fond, l'authentification de facteur est activé. Vous pouvez juste fermer l'écran, dans le fond. Ça va faire comme quoi que... voulez-vous que votre numéro soit utilisé pour aider à établir des contacts? Fermé. Dans le fond, pour, si vous voulez mettre vos contacts aussi sur Messenger avec le numéro de téléphone. Hein. Bref. C'est par rapport. Clé de sécurité, blablabla. Désactiver autant que vous voulez, whatever. Là, mettons, quand vous essayez de vous connecter, dans le fond, mettons, si je me déconnecte, je me reconnecte, là, ça marchera, genre, ça va marcher. Juste si j'enregistrerai, juste si j'ai déjà eu accès, puis j'enregistrerai le mot de passe. Si j'ai pas enregistré le mot de passe, tout ça, j'ai pas accès au compte. Ça va demander un code, dans le fond, d'envoyer un code par texto. Parce que le mot de passe, il marchera pas. Dans le fond, si vous êtes plus sécurisé, dans le fond, comme ça, c'est vraiment idéal. On va retourner dans les paramètres. Vos informations Facebook, vous avez tout ça. On retourne dans la sécurité. Changer le mot de passe, blablabla. Dans le fond, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Connexion autorisée, vous pouvez faire afficher. Dans le fond, ça va tout montrer les connexions que vous pouvez autoriser. Mot de passe d'application, vous pouvez mettre un mot de passe sur les applications de Facebook, whatever. Ça, je peux le modifier. Je peux le désactiver si je veux. Dans le fond, le numéro de téléphone est comme par rapport. C'est comme un numéro bidon. Voilà, désactiver. Ça va être mis comme ça. Aller directement dans les paramètres. Dans le fond, c'est mieux d'avoir la connexion à deux facteurs. Parce que dans le fond, ça permet vraiment de vous protéger plus tout ça. C'est vraiment plus le fun. Dans le fond, juste dans l'identification, vous pouvez modifier dans le fond qui peut publier sur votre journal. Vous pouvez mettre qui que vous voulez ou juste vous, whatever.
Dans le fond, ça permet que dans le fond, vos amis ne peuvent pas publier sur votre profil des choses où. C'est ça. Les identifications, tu peux changer. Tu peux juste le mettre à amis. Parce que dans le fond, à part que tout le monde a accès, whatever. Lorsque quelqu'un identifie sur la publication, quelle personne voudriez-vous ajouter l'audience pour m'en avoir accès? L'enfant, c'est ami. Tu peux le mettre à public si tu veux. L'enfant, ils vont tout voir toutes tes affaires ou les identifications. Mais c'est mieux l'avoir à ami. Ok. C'est pas mal ça. Organisation, authentication, mobile, application, puissance, site web, intégration professionnelle, publicité. Quoi d'autre je peux faire? Confidentialité. Vous pouvez aller là. Qui peut voir vos futures publications. Enfin, vous pouvez changer ça pour public ou ami ou juste vous. Tu sais, historique personnel. Examinez toutes les publications, tous les contenus lesquels vous êtes identifié. Vous pouvez le mettre comme quoi que vous voulez vérifier avant qui publie. Limiter la diverse publication pour vous, ouvert ou public, dans le fond, comme que je vous dis. Comment les autres peuvent trouver, vous contacter, ok, par message ou whatever. Ok, ça va comme pas vraiment rapport, bref. C'est pas mal ça pour la vidéo, sinon vous avez une notification, vous pouvez mettre texto, push, ces affaires-là, il n'y a pas de problème. C'est pas mal ça, j'ai pas mal tout couvert la sécurité Facebook. Côté détendit, il y a un nouveau programme qui est sorti récemment pour pouvoir pirater les comptes Facebook, ces affaires-là. Fait que dans le fond, je préfère vous aviser d'activer l'authentification à deux facteurs. C'est vraiment l'idéal pour, dans le fond, ce tool-là. Comme ça, dans le fond, ils peuvent pas vous pirater nowhere comme ça. Dans le fond, déchiffrer votre mot de passe, tout ça. Parce que ce programme-là, il est vraiment efficace. Côté des comptes, vraiment, j'ai vu des amis se faire pirater ces affaires-là. Là, puis, j'aimerais pas ça que les gens de ma chaîne, ça se pirater aussi. Donc, l'authentification à deux facteurs, ça vous protège vraiment de pas mal tout. C'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Puis les abonnés.